Eh ben moi si, parce que nous sommes les bricoleurs. Qui se porte volontaire pour l'inaugurer? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au premier coup de vent, tout va tomber. En tout cas, moi je plonge. J'aurais peut-être dû réfléchir. Je reconnais, c'est à cause de moi. Je suis vraiment confus. J'aurais pas dû dire oui à tous les caprices de notre mère. Nous savons que ce que tu voulais, c'était construire le plus beau des toboggans. Pour que tous les citoyens de Lunenburg et leur mère soient heureux. On fait quoi, maman, maintenant? Lola, toi, qu'est-ce que tu en dis? Il faut créer un toboggan qui conviendra à tout le monde. Je suis d'accord. Réparons d'urgence notre toboggan aquatique. Monsieur le maire, nous avons apporté quelques modifications. Mais je crois que nos transformations combleront de bonheur vos chers administrés de Lunenburg. Pour tout vous dire, ce n'est pas comme ça que je le voyais. Mais il n'y a qu'une seule façon de savoir si je suis satisfait de ce que vous avez réalisé. Moi je dis que votre toboggan est une réussite. Parce que je suis juste à côté des toilettes. Et parce que je sais que lorsque j'aurai un petit creux, une buvette m'accueillera dans un endroit sec. Je reconnais que c'est bien mieux que de l'avoir sur le toboggan comme je le voulais. Merci à Lunet Construction pour cette création fort bien réalisée. Tu es un champion. Tu as fait plaisir au maire et l'équipe est heureuse aussi. Il est temps maintenant de montrer à mes administrés ce qu'est un parc aquatique. Je crois qu'ils attendent.